Découvrir des voitures dernière génération, trouver des solutions technologiques ou encore entendre des experts sur l'avenir de l'industrie 4.0, c'est possible au Salon Industrie du Futur. L'événement réunit des acteurs économiques du Grand Est et d'ailleurs pour accompagner les entreprises à la recherche de solutions pour améliorer leur compétitivité. C'est un salon business. Il s'agit pour les exposants de faire la démonstration de leurs produits et de les vendre à d'autres industriels qui cherchent effectivement de nouvelles machines, de nouvelles solutions informatiques, de nouveaux matériaux. Vous pouvez y trouver des solutions de machines, de tout type de production que vous pouvez venir plugger sur des lignes de production. Vous pouvez y trouver des solutions informatiques, vous pouvez y trouver des solutions d'ingénierie, vous pouvez y trouver des solutions énergétiques, des nouvelles solutions de mobilité. Un salon pour faire du business, mais aussi un salon vitrine pour les entreprises du territoire. Un territoire où l'industrie représente 20% du PIB, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Et cette année, 3500 visiteurs sont attendus. Ce salon, en fait, c'est avant tout une vitrine pour notre territoire. Notre territoire est très engagé sur la question du développement économique et plus particulièrement pour la sauvegarde de son tissu industriel qui représente près de 40% des emplois sur le territoire. Donc il est important qu'on consolide le tissu industriel et qu'on lui permette de trouver des espaces d'innovation, tels que les innovations sur ce qu'on appelle le numérique, le 4.0, ce qui concerne l'industrie. Et donc ce salon-là, c'est une vitrine de notre savoir-faire, de notre mobilisation pour le territoire. Déjà trinational, avec la participation d'industriels du futur allemands et suisses, qui représentent 12% des 230 exposants, le salon Biest 4.0 souhaite s'ouvrir plus largement à l'Europe.